traversé du délire, et mon rêve, c'est bon comme ça? Oh putain, Francis, oh, c'est pas réglementaire cette coupe. Ouais Francis, au boulot. Allez, va. Allez t'es belle, allez t'es bleue, sur qu'elle ne répare pas aux yeux, dans mes traversées du désert. Mon bateau, c'est le plus beau des bateaux. Il navigue sur les flots. Oh! Oh! Pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas dire, hein. Mais à mon avis, il se passe quelque chose. Et quelque chose qui peut être dangereux. Alors, il va falloir qu'on fasse très attention. Surtout toi. Nous, on est professionnels avec Francis. D'ailleurs, il est où, Francis? Qu'est-ce qui se passe, Dominique? J'ai entendu un cri, mais je sais pas plus que ça, hein. Tu reviens quand tu veux. C'est quoi ce cri? Je sais pas. Il va falloir qu'on aille vérifier, on va chercher. L'enquêtons! Enquêtons. Il est mort? Oui, regarde, il ne bouge pas. Hein. Regarde, moi je bouge pas. Je suis pas mort. Ça n'a rien à voir avec toi, Pudé. Il bouge pas, lui, parce qu'il est mort. Toi, tu bouges pas parce que tu as décidé de pas bouger. Toi, tu bouges pas, tu es vivant. Lui, il est mort. Il ne bouge pas. Et lui, il est mort. Lui, il est mort, oui, ça va l'air. On va enquêter. Moi, je bouge pas, je suis pas mort. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On va enquêter. Oui, on va enquêter, oui. Enquêtons. Bon, Francis, ce serait pas des traces là? Et t'as vu son parallèle? C'est vrai, son parallèle, que ça peut être ça. Des traces d'escargot géant? Tu as raison. J'ai toujours raison. Enquêtons. Y'a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu? Répétez s'il vous plaît. Articulez. Laisse tomber Francis, il est sourd comme un pot. Eh bien, on va aller voir le patron du café, on va lui poser 2-3 questions. On aurait du pot que c'est une vraie peau, hein.
Ça c'est vrai, mais du moment qu'il ne tourne pas autour du pot, moi ça me va. Allez, viens. Bonjour monsieur, on aurait 2-3 questions à vous poser. Je crois qu'il a soif. Vous avez soif ? Comme d'habitude. Il est dans le 16 étoiles. Je ne comprends rien du tout à ce qu'il nous raconte. Je crois qu'il se fout de notre gueule, oui. Est-ce que vous comprenez la langue des signes ? Ah, ben, vous allez le dire tout de suite, comme parler la langue des signes. Nous, on n'a pas compris. Ah, non. Bon. Alors. J'ai l'impression qu'il dit que les méchants sont pas loin. Tu drogues dans les chiottes ? Non, je crois qu'il veut regonfler son bras. Au revoir, bonne journée. Drogue. Je sais pas s'il parle de ça. J'ai compris. Ils sont dans le fond, ils sont derrière. Calme-toi. Oh, Francis, il demande de l'oseille. On lui explique qu'on en a pas. Ah, mon pognon! S'il veut de l'argent, on va lui distribuer du plomb. Allez, on s'en va. Alors. Là. T'es sûr que c'est là? Bien sûr que je suis sûr que c'est là. T'es sûr, y'a personne? Eh non, y'a personne. Il dit quand la vieille sert des coups à boire. Non. Il dit quand la vieille arrose ses fleurs, c'est le signal. Y'a personne? Eh ben non, s'il y a personne, c'est que c'est pas l'heure, c'est pas le signal. On fait quoi alors? Eh ben, on rentre et on enquête. Hein. Alors enquêtons? Enquêtons. Attends, je te couvre. Oh putain, ça fait longtemps que j'ai rêvé de sortir. Vas-y, Francis. C'est fermé! Qu'est-ce que tu fais, Francis? C'est trop le balcon, je peux monter par en haut! Mais tu es monté sur un pot de peinture, c'est normal, c'est pas assez haut! J'ai une idée, bouge pas. Mais non, Dominique, tu casses rien là! Bonjour madame, c'est la police. On aurait 2-3 questions à vous poser. C'est possible de rentrer? Police! La police! C'est fermé! Papa, poussez, poussez, arrêtez! Lise! C'est ton plan que je comprends pas! C'est simple! C'est vrai, non? Bug? Ah, quelqu'un là! Ah là! Et que là, quelqu'un là! Ouais! Là là! Maman! Qu'est-ce que tu dis? Stop! Dit comme ça, c'est simple. Ils ont pas le regard. Ce sont des grâces artisanales. Combien de vous? Qu'est-ce que vous avez capable? Alors, nous avons... vanille, chocolat, pissenlit, violette, rose, chrysanthème, noisette, fraise et mandarine, papaye, anchois, praliné, fruit de la passion, citron, attendez, choucroute avec des éclats bien sûr, de saucisse de Strasbourg qui sont là. Ananas, kiwi, et je crois que c'est tout. Mais c'est tout. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. À votre service, madame. Vanille, chocolat, pissenlit,
violette, rose, chrysanthème, noix de cabillaud, pomme, caramel, noisette, fraise, cassis, huile, caramel, noix de coco, framboise, cerise, jambon, papaye, anchois, praline, menthe avec des éclats de chocolat. Oh, je veux comprendre. Et alors, ça traîne, yo. On n'a pas le temps. Calmez-vous. Non, je suis bio. Et chocolat. Chocolat, mes noix de cabillaud. Je crois qu'on en a. Qu'est-ce que vous avez à la place? Oui, bon, ce qui me reste, c'est chocolat, pistolet, vanille. Ici, c'est la police. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Ouais. Tu vas parler, la vieille. Tu vas parler. Ouais. On te voit partout. On te voit toujours dès qu'il y a un mauvais coup. Un coup fumant, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de fumée sans toi. Comment ça se fait? À un moment donné, ça va être très simple. Tu sais ce qu'on va faire, nous. On va te laisser moisir ici. À un moment donné, tu vas être là, tu vas commencer à avoir faim, tu vas commencer à avoir froid, et terminer de s'évader en courant d'air. J'ai rien vu. C'est bizarre. J'ai rien vu. C'est pas celui-là. Putain, c'est pas celui-là. Commissariat central, j'écoute. C'est pas celui-ci non plus, c'est pas celui-ci. Francis, dépêche-toi, c'est encore un cabinet. C'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-ci. Commissariat central, j'écoute, oui, monsieur le ministre. C'est pas celui-là. Attends. Oui, ah. Oui, allô maman. Ah oh, mais là c'est pas le ministre. Oui maman. Oui. Ah pour ce midi, ouais, je sais pas. Hein. Tu peux faire un confit au canard avec de la semoule. Avec Francis, ça le veut bien. Je vais venir avec mon copain Francis pour manger. Oui. Une. Oui. Après nous allons leur manger une glace avant de reprendre le service Francis. Ça va être bien. Oh non, mousse au chocolat je préfère. La mousse au chocolat. Il veut de la mousse au chocolat Francis. Comment ça, tu as pas la gastro-entérite? Je reprends le rapport, maman. Bah, je te laisse, je suis au boulot, hein. Bisous, maman. Blizzard. Alors, madame, c'est pas qu'on voudrait vous accuser de quoi que ce soit, hein. Bah, j'espère bien. Eh, bah, vous espérez bien, mais... Bah oui, parce que déjà, un excès de lenteur, quand je sors de chez moi... Un pédicule, s'il vous plaît. Évidemment, madame, on n'a pas toute la journée. C'est pas grave, on va vous aider. Brigadier, prenez le papier. Permis que normal.
carte grise, normal aussi. Tout est légal. Bonjour au papier. Vous savez pourquoi on vous arrête, madame? Pas du tout. Je sais. Pour un accidenté, madame. 12 km/h sur l'autoroute, madame, c'est pas assez. Pour rouler plus vite. Mais je n'étais pas pressée, monsieur. Madame, on vous a vu vous faire doubler par un escargot. Justement, je voulais qu'il nous... Il avait mis son clignotant. Et ça, je ne l'ai pas vérifié. Regardez. Vous vous rendez compte, madame? 12 km/h sur autoroute. Vous êtes un danger pour tout le monde, comme pour les usagers. C'est très dangereux, madame, j'en doute. 12 km/h, vous vous rendez compte? Calme-toi, Francis. Redescends. Il a raison. Madame, excusez-moi de parler si fort et de crier, mais si vous pouvez comprendre que c'est très dangereux, 12 km/h sur autoroute. C'est limité au minimum à 90. Nous, on a eu peur, hein. On a eu peur pour vous comme pour les autres usagers. Vous pouvez faire un gros accident avec les camions et tout ça. C'est très dangereux sur l'autoroute, 12 km/h, vous vous rendez compte? Alors on est obligé de porter verbalisation. Madame, vous vous rendez compte? Tête qu'elle est pleine, hein. Calme-toi, Francis, on va la faire souffler. Elle va souffler dans le bas, là, madame. Soufflez un peu. Encore, on y va. C'est bien. Ça, c'est bien. Ah, j'aime beaucoup, hein, c'est bien. Ah, c'est bien. Hein, c'est bien. Ouais, c'est bien, il y a des améliorations. C'est bon, il n'y a rien, là. Non, il n'y a rien. Il est signalé, hein, c'est nickel, le souffle est bon. Rien à dire. Madame, 12 km/h sur l'autoroute, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Vous avez quelque chose à nous justifier? Putain, vous pouvez vous justifier, madame? Justifiez-vous, bordel de merde! Je suis calme, Francis. Bon. C'est la dernière, je vous le promets. Ah, mais que vous me le promettiez, ma bonne dame, c'est sûr. Parce que nous, le permis, là, on va vous le prendre. Hein. Ça, c'est clair et net. Il n'y a plus le permis. C'est fini. Bon, madame, le test alcoolémie est certes au demeurant négatif. Mais dans un second temps, on va quand même être obligé de verbaliser. Hein. Ça, l'excès de lenteur, ça, on ne peut pas passer à côté. C'est clair et net, on verbalise. Mais qu'est-ce que tu cours, ça, oh? Hey! On y va. Je vous attends ici, messieurs. De toute façon, je ne suis pas pressé. Vous avez exagéré quand même. Madame, la justice a des méthodes que parfois on peut discuter. Oh oui, on peut en discuter. Ça, ah oui, mais pas non, de souci. Non, on va pas en discuter. Si. Madame, on va pas en discuter. Les méthodes de la justice, c'est les méthodes de la justice. Nous, on est là pour appliquer. Hein. Bah, elles sont bien cons. Ah oui. Ah oui. C'est que j'ai voulu parler. Calme-toi, Francis. Calme-toi. Je sais très bien que tu le prends mal quand on insulte la police. Madame, s'il vous plaît, hein, un soldat comme lui, un guerrier, un défenseur du citoyen, de la veuve et de l'orphelin. Oui, d'habitude, c'est lui qui les fait, les veuves et les orphelins. Mais bon, on n'a pas à être jugé, il y a eu non-lieu. Donc, madame, la question que je vais vous poser, c'est comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on enquête quelque part, comme par hasard, arrivant de nulle part et tout doucement, toujours la même dame, toujours la même? Pourquoi? Ben parce que je me promène, tout simplement. Vous êtes jardinière? Oui. C'est tout? Oui, une grande jardinière. Ah, je suis pas sûr, bizarrement, je suis pas sûr. Vous allez nous en dire plus, hein? Oui. Bon, madame, il va falloir qu'à un moment donné, vous vous mettiez à causer, hein? Parce que nous, on a plusieurs joujoux pour vous faire parler. Alors, dans un premier temps, hein, je peux vous sortir ça. Je sais pas ce que c'est, ça. Je le ramène de mon voyage à Bali. Ça, ça fait parler les plus récalcitrants. Ensuite, si ça, ça n'est pas encore assez, je peux sortir aussi le calibre. Je vais pas voir mon arabe. Tiens, Francis. Ah, c'est pour ça que je fais ce boulot. Eh. Tu es vraiment très doué de tes mains, Francis. Ah là. Moi, je garderai quand même l'autre qui fait blizzard, là. À mon avis, lui, il est suspect. Et le mec, là, qui dit qu'il a rien vu, alors qu'à mon avis, il a tout vu. Par contre, la dame, on va aller la revoir pour s'excuser. Hein. On lui ramènera un petit bouquet de fleurs ou quoi. Francis, tu me masses plus, là. Hé, les gars, on va de la visite. Qui va être, là?
Trop tard, monsieur. Viens voir. Regarde dedans. Je vois rien, monsieur. Je vois rien du tout. Mais je comprends pas. Il est dedans.